Marc, tu pour dis jouer des les bêtises, des on n'a pas donné la Coupe du Monde à l'Afrique avant parce que l'Afrique n'était pas candidate pour des raisons de pognon, pour des raisons de sécurité. Et quand l'Afrique du Sud l'a demandé, qu'elle a eu un dossier solide, elle l'a eu également. Il y a eu des Jeux Olympiques également en Corée, crois-moi la température c'était un peu costaud. Il y a eu une Coupe du Monde de rugby en Nouvelle-Zélande où ça s'est prolongé tard dans l'hiver parce que là-bas c'était le printemps. Arrête de faire du foot aussi quelque chose de totalement indépendant et de dire non, toujours que c'est parce que là, c'est le Qatar. Là où notre bien sûr qu'on a donné tort, de l'argent. Bien sûr que c'est l'argent, c'est la Coupe du Monde de l'argent, on le sait. L'argent a fait la bascule bien pour sûr. Que le Qatar soit. Et on met des stades climatisés à l'époque où on doit économiser de l'énergie. On leur accorde tout. Mais ton propos, Marc, bien sûr, on a entendu, mais ton propos, est-ce que c'est dire c'est scandaleux que ce soit en décembre ou est-ce que c'est dire c'est scandaleux qu'on ait donné la Coupe du Monde voilà. au Qatar Les deux, c'est scandaleux aussi que ce soit au mois de décembre. Alors, au départ, pour moi, il est scandaleux qu'on ait donné la Coupe du Monde au Qatar compte tenu d'un certain nombre d'éléments. Mais maintenant que c'est là, tous crient oh là là, mais comment ça se fait, ça se passe en décembre. Mais écoute, je suis désolé, les mecs qui ont eu le dossier entre les mains, ils savent très bien qu'il fait 50 degrés en été. Oui, mais justement, et ce que je reproche à la FIFA, c'est de ne pas avoir réfléchi avant. Non mais tu comprends pas pourquoi je te dis ça, Marc. C'est parce que tu as commencé ton propos en disant c'est... Marc, Vincent, Maryse, vous dites des conneries. Comment ça, c'est normal de faire la Coupe du Monde en décembre? Je te dis compte tenu du fait. C'est pas une... Non, je te dis compte tenu du fait que nous ne sommes pas la FIFA. Nous n'avons pas voté pour. Je suis Jacques. Non, lui, c'est. Ah, il y a peut-être que vous n'avez pas accroché tous les deux. L'auditeur s'appelle Marc, tu ne vas pas me perturber. Je dis, compte tenu du fait que la Coupe du Monde se passe au Qatar, nous, autour de la table, disons que il est plutôt logique d'avoir la Coupe du Monde en décembre si effectivement il est impossible de la jouer en été. Ah, ben ça, là-dessus, on est tout à fait d'accord. Mais comme quoi, depuis le début, ce dossier est bancal. Ah, ben là, on est bien d'accord, Marc. Quand on l'a donné.